laissant à Sylvain Clairoux vous présente l'émission Un jardin en nous. Ici Louise Arcand. Aujourd'hui, on parle de pays. C'est quoi le pays? Le pays vient du mot paille, qui, à l'époque, on utilisait de la paille pour protéger nos plantes ou les protéger pour l'hiver ou donner de l'humidité. Maintenant, ça a beaucoup évolué. On retrouve sur le marché plein de variétés de produits qu'on peut utiliser dans nos plates-bandes. On a des superbes roches qu'on peut retrouver maintenant sur le marché, des roches blanches, des roches noires, de l'argile broyée. On peut utiliser également des écorces de cacao. Il y a vraiment plein de produits qu'on peut utiliser comme paille. Comment qu'on utilise le paillis? Bien sûr, les roches, le désavantage que c'est que c'est pas biodégradable. Alors, quand on va utiliser des roches, ça va être vraiment permanent. Donc, c'est bien d'utiliser une toile géotextile au début. Ensuite, de mettre nos roches et ça va être vraiment un aspect décoratif. C'est sûr que les roches, moi, j'ai plus tendance à les utiliser dans un petit sentier ou dans les plates-bandes où ce qu'on on marche beaucoup ou des places comme ça. Sinon, pour vraiment offrir un élément nutritif et un aspect plus botanique, on va utiliser vraiment un paillis. Le paillis, il y a du paillis de cèdre, il y a du paillis de pruche, il y a du paillis de... On peut utiliser des écorces de cacao. Il y a vraiment plein de produits maintenant qu'on retrouve sur le marché. Mais le plus populaire, c'est le paillis de cèdre. Et le paillis de cèdre, maintenant, il y a vraiment plein de couleurs. Il y a du noir, il y a du rouge, il y a du brun chocolat et il y a le paillis naturel aussi. Le paillis, l'avantage que d'utiliser un paillis dans nos plates-bandes, c'est que ça va garder notre sol frais. Ça va garder vraiment un sol qui est humide et certaines plantes ont vraiment besoin d'humidité et de protéger leurs pieds de la chaleur comme les clématites. C'est vraiment bien d'utiliser le paillis. Aussi, c'est biodégradable, donc ça va donner un élément nutritif à notre sol. Et en plus, ça a l'aspect décoratif et ça va empêcher les mauvaises herbes de sortir dans nos plates-bandes. Pour empêcher les mauvaises herbes de sortir dans nos plates-bandes, c'est bien sûr, il faut soit installer une toile géotextile avant d'utiliser notre paillis, ou sinon, je vais vous montrer un petit truc. L'important, quand on a notre plate-bande, c'est de bien la nettoyer avant d'utiliser notre paillis. Alors, on va bien nettoyer toutes les mauvaises herbes et briser les racines avant d'installer notre paillis. C'est bien important de bien nettoyer notre plate-bande. Ensuite, on fait notre plantation comme on a besoin. Et on pourrait simplement là mettre le paillis. L'important, c'est d'en mettre une bonne couche. Il faut en avoir une bonne épaisseur, là, au moins là, de 3 à 5 pouces d'épaisseur pour que vraiment ça compte les mauvaises herbes. Il faut vraiment en mettre épais. Un truc que je peux vous donner, que moi j'utilise et je trouve génial, c'est de prendre des papiers journaux. On prend des papiers journaux, une bonne épaisseur, là, un 7-8 feuilles facile. On va l'insérer dans notre plate-bande. On va la mouiller. Comme il faut. Et le papier journal, l'avantage que ça a, c'est que c'est facile pour contourner nos plants. En plus, c'est biodégradable, donc ça va s'en aller simplement dans le sol. Et l'encre, là, faut pas avoir peur, là, c'est plus toxique du tout, là, il n'y a pas de problème d'encre. Ensuite, on va insérer notre paillis par-dessus le papier journal. Ce que ça va faire, c'est que ça va faire un peu comme une toile géotextile et ça va empêcher les mauvaises herbes d'apparaître. Ça va vraiment les ralentir, là, vraiment. Et aussi, le papier journal, l'avantage qu'il y a, c'est, vu que c'est biodégradable, c'est que si on a à diviser nos plantes, ben, c'est facile, là, à couper ou à séparer nos plantes à l'automne. Tandis que quand on utilise une toile géotextile, ça devient compliqué quand on veut avoir à travailler dans notre jardin ou à déplacer des vivaces ou à vouloir les séparer. On n'est plus capable de travailler avec une toile géotextile. Et souvent, c'est que ça va empêcher justement le plant là de vraiment s'élargir quand on a une toile dans notre jardin. Alors, on en met vraiment une bonne épaisseur. Et ensuite, on peut arroser encore là pour vraiment que le paillis reste au sol. Parce que sinon, s'il vente, ben le paillis va tout pogner dans le vent là, puis il va en avoir partout. Moi, j'aime bien le paillis noir parce que ça fait un peu comme la terre. Ça fait vraiment un élément décoratif intéressant. C'est vraiment une couleur, quand il est mouillé, qui est vive et met les plantes en valeur. Le paillis aussi, c'est bon de le changer, de le rafraîchir à chaque année. On a simplement là, à en rajouter à chaque année et de l'utiliser à l'automne également.
d'en rajouter à l'automne parce que ça va donner une protection à nos plants contre l'hiver qu'on a ici au Québec. Vu que il fait très froid, on met une bonne base de paillis à la base de nos plants. C'est très bon pour les rosiers. On peut l'utiliser pour toutes les plantes vivaces qu'on a, vraiment pour protéger là la base du pied, pour protéger pour l'hiver. Et de cette façon, ça va leur donner une protection naturelle et un compost. Et voilà. Pour les roches décoratives aussi sur le marché, quand on n'a pas besoin d'utiliser beaucoup, on peut les acheter en sac. Dans les bonnes jardineries, il y a pas mal toutes les variétés de roches. On peut l'utiliser en vrac, qu'on appelle, quand on a vraiment un gros projet d'aménagement. On peut faire venir des camions de pierres décoratives et ça se vend par tonne. Alors, si on a vraiment un aménagement là à faire, on peut vérifier au centre jardin, téléphoner et leur dire après le nombre de pieds carrés qu'on a utilisé, l'épaisseur. On a des catalogues sur place. Vous pouvez choisir les roches et ensuite les faire livrer directement à la maison pour les installer. Aussi, les pierres, c'est beaucoup utilisé au niveau là, pour le drainage. Quand on a des dégouttières proches de la maison, on veut un aspect plus décoratif. À ce moment-là, on peut utiliser des pierres pour le contour de notre maison, les sentiers et tout. Alors, pour le paillis, j'espère vous avoir mis l'eau à la bouche pour utiliser un paillis. Et si vous avez des questions, venez me visiter au CERF. Les CERF Sylvain Clairaut ont fait de l'aménagement paysager et pour mettre de l'ambiance dans nos aménagements, on utilise la lumière. Et maintenant, la lumière a beaucoup évolué. On est rendu avec des lumières solaires. Et pour en parler avec moi, j'accueille Mme Annaline. Bonjour, oui. Anna. C'est quoi des lumières solaires? Alors, une lumière solaire, c'est un pavé lumineux qui est fait de verre trempé. Donc, c'est un produit extrêmement rigide. On peut passer jusqu'à 2000 livres de poids dessus. Donc, même la voiture, un camion, n'importe quoi comme ça, peut embarquer sur la lumière. On utilise ça comme un pavé régulier. Comme un pavé régulier qui remplace même le pavé, comme si ici, un pavé. Et c'est la même grosseur. Donc, on peut le prendre équivalent à la grosseur du pavé ou on peut le couper. Alors, il y a différents formats. Donc, différentes épaisseurs et différentes grandeurs également. Donc, si on n'a pas un pavé qui matche exactement, on peut quand même choisir. Et on peut faire des patterns ou des designs avec en les mettant ensemble. Mais ça s'installe comment? Comment qu'on installe ça? Alors, c'est très, très, très facile à installer. Donc, on peut soit se l'installer soi-même ou demander à votre paysagiste. Et tout qu'est-ce qu'on a à faire, c'est que nous, qu'est-ce qu'on vous suggère, c'est que la première fois avant de l'installer, c'est de la mettre aux places stratégiques ou ce que vous pensez la nuit avant de l'intégrer directement dans le pavé. Fait qu'il n'y a pas de fil, rien, là. Ça fonctionne avec la lumière solaire. On la met dans les endroits. On regarde la nuit pour voir où ils sont placés, puis ça va vous donner une bonne idée si on doit le rapprocher ou pas le rapprocher pour vous donner votre design. Après, on dit à votre paysagiste ou vous-même, bon, ben mettez-les directement dans le pavé ou ce que vous avez décidé de choisir. Tout qu'est-ce que vous avez à faire, donc en arrière, il y a un petit bouton poussoir, vous prenez un crayon, vous appuyez sur le bouton poussoir pour le partir, et puis vous le mettez dans le concassé, vous mettez un petit peu de poussière de roche pour la mettre à la hauteur de votre pavé, parce qu'il y a des pavés de différentes hauteurs. Et puis pour finir, vous mettez du sable ordinaire pour justement être capable de changer plus tard. Il pleut, là, il n'y a pas de problème. Non, parce que ça, c'est complètement scellé à l'épreuve de l'eau. Okay. C'est bon pour l'hiver et l'été. Vous ne rentrez pas ça parce que je me le fais demander souvent, est-ce qu'on rentre oui, ça l'hiver? Ça, non, non, non. Un coin installé, c'est pour là. Pas vous casser la tête. Vous la mettez à la place du pavé ou dans votre design et puis vous la laissez là. C'est des lumières d'ailes qu'on appelle. Exactement. Est-ce que c'est bleuté ou c'est blanc? Il y en a différentes couleurs, mais ça, c'est une lumière qui est plus blanche, que ça donne plus une ambiance. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Fait que ça prend l'énergie du soleil le jour, qu'on comprenne bien, là. Ça prend l'énergie du soleil le jour, puis le soir, ça l'illumine. Ouais, je peux vous expliquer exactement comment ça fonctionne. Alors, à l'intérieur de la brique solaire, il y a un petit panneau solaire. Qui est le capteur. Qui est le capteur, exact. C'est un petit panneau solaire. Donc, le soleil vient générer le capteur solaire. À l'intérieur, il y a du filage qui régénère une batterie. Et c'est une batterie solaire qui recharge toute seule, sans filage. La batterie, elle va durer à peu près 4 ans. C'est des batteries 3A qu'on peut se procurer partout dans les quincailleries, les grands magasins, les magasins de surface qui sont vraiment pas dispendieux. Ça coûte environ 2 $ une batterie. Ah oui. Ils viennent déjà avec la batterie, mais c'est après le 4 ans, faut changer la batterie. Ah, c'est exceptionnel. Puis je vois ici qu'il y a un autre modèle. Ça, est-ce que c'est pour utiliser également dans le pavé ou pourquoi celle-ci est ronde? Ben, elle est ronde parce que un rond avec carré, c'est très beau. Donc, il faut quand même avoir une machine pour être capable de couper le pavé en rond.
ou qu'est-ce que j'ai beaucoup de clients patio. Qui font, ils mettent dans les pays ou ils mettent dans les rocailles. Ah ok, ou dans le patio, on pourrait pas insérer ça. Oui, mettre dans le patio, exactement. Dans donc, les marches. Donc vraiment, ou, c'est vraiment justement vos idées. On laisse aller notre imagination puis on peut créer là, vraiment une atmosphère intéressante ou des allées qu'on veut faire vraiment exactement. Une allée de pavé là qui. Ah ben c'est super le fun. Et est-ce que c'est dispendieux comme produit? On parle de combien? Si on regarde à comparer avec du filage électrique, c'est vraiment pas dispendieux. Parce que électrique, ça peut coûter entre presque 1 000 $ et plus. Et surtout, ouais, parce qu'il faut que tu fasses l'électricien, il faut que tu penses les fils, exactement. Faut puis le problème qu'il y a, c'est que si, à cause que de la corrosion, à cause nos verres sont très difficiles, et des fois, il y a des petites souris qui mangent les fils. C'est après voir où est le problème lorsqu'il y a un défaut. Il faut tout défaire. Avec un pavé solaire, on fait juste soit remplacer le pavé avec la brique ou vraiment rechanger l'aménagement sans faire beaucoup de dommages comme qu'on fait avec l'électricité. Donc, c'est vraiment pas dispendieux. Alors, pour au niveau de la gamme, ça se situe entre 20 à 50, 55 $ Ça dépend vraiment de la grosseur des distributeurs. OK. Puis où est-ce qu'on peut se procurer, justement? Bon, on peut se procurer au CERF Sylvain Clairaut. Également, on a d'autres distributeurs. Vous avez juste à regarder sur le site web à www.solaire-image.com ou la compagnie qui s'appelle Gestion Embellissement. Ah, ben super. Puis ça peut vraiment aller avec tous les styles, là. J'en regarde, ça pourrait être un style très moderne, ça pourrait aller avec un style rustique, ça pourrait être même inséré dans des galets, dans des pierres. C'est ça que c'est vraiment, là, très... C'est pour ça qu'on vous dit qu'il n'y a pas d'erreur quand vous l'installez, parce que tout le monde, c'est vraiment votre choix, votre créativité. Il y en a qui les mettent ensemble, puis ils font des patterns, ils font des losanges. Il y en a d'autres qui vont faire plus pour un éclairage, pour rentrer sur le terrain exactement dans une entrée. Puis une chose que j'ai oublié de vous dire, par exemple, au niveau de l'entrée, ça me fait penser à quelque chose, c'est que c'est important de quand même, si vous allez mettre dans l'entrée, de le mettre à peu près un quart de pouce, un huitième de pouce plus bas qu'une brique normale. Et puis la raison, c'est parce que l'hiver, tu veux pas que la grade vienne l'arracher pour l'enlever ou la briser. Mais c'est quand même très, très, très résistant. D'accord. Puis au niveau, est-ce qu'il y a d'autres choix, d'autres lumières? Est-ce que vous avez des lumières pour les plantes? Est-ce que vous avez d'autres modèles de lumière? Vous allez sur notre site web, vous allez voir, on a beaucoup de choix de différents. On a pour des plantes, on a pour astère solaire qui pourrait allumer des herbes. Vraiment, il y a une gamme incroyable. Il y a des lumières qui changent de couleur pour qu'on met sur les tables pour donner de la... Ouais, même les lumières de Noël, ça me fait penser. Y en a-tu maintenant qui sont solaires, les lumières de Noël? Oui, c'est rendu de plus en plus populaire parce que justement, il n'y a pas de l'éclairage partout sur les terrains. Donc, on a fait des maisons pas mal d'envergure, justement, parce qu'ils ont tout allumé leurs arbres à l'entrée, puis très loin d'où il y a de l'électricité. Et c'est ça qui est extrêmement pratique. Ah ben super, mais même les lumières de Noël, c'est beau de les utiliser même l'été dans les arbres, ça fait une atmosphère de la Californie ou de la Floride. J'ai beaucoup de gens qui les utilisent aussi pour les campings, qui font Noël des campeurs, et puis même pour agencer des arbres exotiques. Il les allume même l'été. Mais y a-tu juste du blanc? Est-ce qu'on pourrait avoir des lumières de Noël de rouge, solaire? Oui, il y a des teintes de couleurs également. Il y a des teintes de couleurs, il y a des bleus. Oui, il y a des couleurs changeantes. Ah, ben merci beaucoup, Anna, pour toutes ces informations. Alors, on va visiter votre site Internet. Et si vous avez besoin de lumière, vous pouvez vous rendre directement au CERF Sylvain Clairaut pour vous procurer les lumières. Et si vous avez besoin d'informations, on va laisser les coordonnées d'Anna en bas de l'écran. Merci beaucoup, Anna. Merci, Louise. On parle des petits animaux indésirables qu'on veut pas dans notre jardin. Ils sont bien belles, les marmottes avec leurs bébés, mais quand ils viennent détruire nos plantations, on les trouve pas mal moins belles. Ainsi que les chats. J'ai des petites astuces pour vous, pour mettre dans votre jardin, justement, pour les éloigner. La première chose qu'on peut planter quand on a des fines herbes ou qu'on a un jardin, on peut utiliser du poivre. Le poivre, là, c'est très, très bon. On met du poivre à la base ou de la poudre de piment à la base de nos plants et les animaux vont sentir ça puis ça va les éloigner automatiquement. La seule chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que s'il pleut, bien, il faut en remettre. Ça, c'est le désavantage. Il faut vraiment là, répéter là, régulièrement l'astuce pour que ça fonctionne. Aussi, il y a des fines herbes ou des végétaux qu'on peut planter dans notre jardin justement pour les éloigner. La rue, qui est une fine herbe qui est très, très efficace pour les chats. On la plante là, tout près des végétaux qu'on veut conserver, qu'on ne veut pas qu'ils aient détruits, à côté de nos plantes tomates ou cocombes, peu importe le choix. On fait juste les planter tout près et l'odeur va les éloigner et c'est quand même efficace, je l'ai essayé.
Ensuite, on a de l'ail. L'ail, on peut utiliser de l'ail également. Ça éloigne les chats, les marmottes. C'est quand même assez efficace. Ainsi que les géraniums citronnelles. Les géraniums de citronnelle, la senteur, là, ils n'aiment pas ça, fait que ça les éloigne un peu de notre jardin. Aussi, on peut utiliser, plusieurs clients qui m'avaient dit qu'ils mettaient là, de la boulamite. On fait juste briser de la boulamite et on en met dans notre jardin et ça va être un répulsif pour les animaux. Aussi, j'ai d'autres petites variétés. Il y a la menthe aussi qui est très odorante, puis la menthe, elle va avoir tendance là, à les éloigner aussi les animaux de notre jardin. On a également là, le thym, cette variété-là, le broadleaf, qui est un autre thym qui est quand même odorant, qui va avoir cet aspect-là également. Aussi, l'important, par exemple, qu'il ne faut pas oublier avec les marmottes, c'est même si on les éloigne, on ne règle pas le problème comme tel. Ce qu'il faut faire, il faut les déménager. Il faut vraiment qu'ils déménagent à leur terrier pour qu'ils viennent pas revenir, pour pas qu'ils reviennent à notre jardin pour continuer leur œuvre de défaire notre jardin. Alors, il faut vraiment là, les faire déménager. Un moyen efficace pour le faire, c'est avec le boyau d'arrosage. C'est simplement d'insérer le boyau d'arrosage dans leur terrier. Souvent, leurs terriers vont se trouver sous le balcon, sous le cabanon. C'est vraiment là, de les observer, de voir où est-ce qu'ils vont se cacher. Quand on a trouvé leur cachette, bien là, on passe à l'action, on prend notre boyau d'arrosage qu'on va insérer dans le terrier et qu'on va vraiment là, laisser l'eau là, à bonne capacité, là, à bonne puissance pendant une dizaine de minutes. On ne les noiera pas, ils vont simplement s'éloigner et ils n'aiment pas l'humidité. Fait qu'automatiquement, ils vont quitter les lieux et vous allez avoir vraiment un problème de régler. Aussi, une autre astuce qu'on peut utiliser pour les chats, c'est de mettre un paillis dans notre jardin parce que puis le garder très humide parce que les chats n'aiment pas l'humidité, n'aiment pas avoir les pattes mouillées. Alors, si on insère là, un paillis à la base là, de notre jardin puis on le garde bien, bien humide, bien, ça va avoir l'avantage là, vraiment de les éloigner. Aussi, on peut acheter dans les magasins, dans les botaniques, dans les centres jardins, au Cerf-Sylvain-Cléroux également, des répulsifs comme ça pour les petits animaux indésirables qu'on peut mettre avec un épandard ou les mettre à main levée dans le sol, qu'on doit répéter aux 30 jours et ça va fonctionner aussi là, pour les éloigner de votre jardin. Mais moi, j'ai essayé personnellement le poivre et aussi la moutarde. On peut mettre de la moutarde avec de l'eau dans une bouteille à vaporiser. On mélange et on saupoudre simplement nos plants de moutarde. Et la moutarde, c'est vraiment la senteur là, qui va faire que les animaux n'iront pas dans votre jardin. Et aussi d'insérer des fois une petite clôture alentour, tout ce qu'on peut utiliser comme barrière, comme répulsif, comme les produits qui sont odorants, va éloigner les petits animaux de notre jardin. Parce que les marmottes, là, on n'a pas le choix, on ne peut pas les éliminer, là, même si on est bien, bien tanné, on n'a pas le droit de les éliminer, on peut avoir des grosses, grosses amendes. On a le droit d'avoir des pièges. Cependant, on peut avoir des pièges pour les attraper, non pas des pièges là, pour les tuer, là, mais des pièges pour les attraper, mais on a la responsabilité de les mettre dans la nature. Alors, on doit simplement les faire déménager ou les déménager nous-mêmes, mais on ne peut pas les éliminer. Alors, j'espère que vous allez essayer mes astuces et que ça va fonctionner, que vous n'aurez plus des petits animaux indésirables dans votre jardin. On parle de fines herbes. On est en milieu de saison. C'est temps de récolter nos fines herbes, d'ajouter les derniers apports d'engrais, de mettre nos tuteurs dans nos légumes. Et pour en parler avec moi, j'accueille ma spécialiste au Cerf-Sylvain-Cléroux des fines herbes, Marie-Josée Benoît. Bonjour, Marie. Bonjour, Louise. Alors, les fines herbes, Marie, c'est le temps de les récolter, c'est ainsi de l'année? Oui, c'est en plein temps de commencer pour se faire des provisions. Il y a différents moyens de conservation. On peut prendre... pour commencer, ça dépend de l'herbe choisie. Si c'est pour des tisanes, c'est le séchage qui est l'idéal. Ou la stévia, la plante. Qui remplace le sucre. Oui, ça remplace le sucre. Ça, c'est une plante qu'il faut sécher. On ne peut pas la congeler ni la faire d'autres traitements. Comment ça fonctionne quand on veut l'utiliser pour le sucre? Est-ce qu'on l'utilise quand elle est fraîche Fraîche ou sèche, les deux. Oui, okay. Les deux. Puis si je voudrais la faire sécher, je la coupe simplement, je la mets la tête en bas? Pas l'idéal, non. C'est feuille par feuille, vraiment étendre feuille par feuille. Soit sur un papier essuie-tout. Ah, OK, d'accord. Ouais. Puis on la laisse sécher comme ça, tout simplement. Puis après ça, on peut l'émietter. On va garder sa saveur, puis on peut laisser ça dans les desserts, dans les boissons aussi. OK, c'est quoi les autres fines herbes qu'on a besoin de faire sécher? Tout ce qui est pour les tisanes. OK. L'idéal, c'est les sécher. Il y a des herbes qui se conservent soit dans l'huile,
ou on peut faire des beurres, on peut faire des vinaigres aussi. Oui, c'est vraiment... choisir. C'est important de choisir une huile de qualité, vraiment. Le vinaigre aussi, un bon vinaigre de vin. Il n'y a pas juste les herbes aussi, il y a les fleurs. C'est vraiment génial. Comme c'est quoi les meilleures herbes? Je ne sais pas, veux-tu nous en nommer quelques-unes, des herbes qu'on utilise pour les vinaigres? Oui, l'estragon est génial. Vraiment, avec les huiles aussi, c'est ce qui est le fun, c'est qu'on peut faire avec des piments forts. Oui. Sur une pizza. Sur une pizza, ouais. Là, avec délicieux. Un petit peu de romarin à l'intérieur. Un peu de romarin. Là, c'est même super une feuille de laurier. Bon. Très, très bon. Oui. Parfait. Puis, c'est quoi les autres moyens de conservation qu'on a pour les fines herbes? On peut faire des beurres d'estragon aussi sur un steak, c'est délicieux. Ou les pestos. Les pestos, ça aussi. Ben oui, le pesto, le basilic ne peut pas se congeler, sauf que le pesto, lui, un coup que c'est broyé, il se congèle très bien. Ah, d'accord. Et d'autres beurres? Quelle autre sorte de beurre? C'est pas mal avec... aux fleurs de monarde, délicieux. Wow! Aux fleurs de monarde, ouais. Génial! Ça se congèle très bien, on le fait en rouleau. Ça se congèle très bien, on coupe ça en tranches, un coup c'est congelé. Ça fait une belle présentation. Là. C'est le fun de sortir ça dans le temps des fêtes. Ah, belles fleurs. Super. Et aussi, on peut les congeler. Il y en a plusieurs qu'on peut congeler. Je pense qu'en moyenne, les fines herbes, ça se garde une semaine ou deux qu'on met là, dans des papiers de plastique. Là, ça enrappe et on peut les congeler comme ça. Sinon, il y a différents moyens qu'on peut les congeler. Oui, l'idéal, comme la ciboulette, le persil, haché finement. Ça, c'est mon truc préféré. Prenez des petits glaçons comme ça, vous hachez finement là, la basilic ou le persil, on met une petite cuillère d'eau dans le fond de nos petits casseaux là, comme ça, et ensuite on met notre fines herbes, on remplit ce dos, on met ça au congélateur, et quand on fait des petites recettes, on sort un petit cube de glace, on met ça dans notre recette et le tour est joué. Ça peut être fait dans l'huile aussi. Ça peut être fait dans l'huile aussi, on au peut congélateur. L'huile. Oui. Ah, oui. C'est intéressant, je trouve ça belle fun, je l'utilise aussi. Parfait. Ensuite, quand on parle, là, ici, c'est quoi que j'ai comme... C'est quoi cette fine herbe-là? C'est un thym broadleaf. Ah, OK. Pour un répulsif pour les animaux. Oui, entre autres. Parfait. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire aussi quand on récolte? Il faut les couper souvent, là, oui, les fines herbes. C'est ici, là, c'est le temps de les tailler, justement, oui. Là, pour qu'ils prennent de la vigueur. Parfait. Et c'est le temps de leur donner aussi un engrais. Un engrais naturel. Parfait. C'est quoi que tu nous recommandes comme engrais? Ou... Ah. Oui, un algue, c'est vraiment l'idéal. Pour on peut faire... Ouais. On en a déjà parlé, là. C'est de l'algue qui est dit comme ça, qu'on peut... C'est un concentré. C'est un concentré qu'on dissout simplement dans l'eau, qu'on ajoute dans nos fines herbes. On peut en mettre régulièrement. Oui, là. On peut faire une application foliaire aussi sur les plantes tomates. Là, ça fait des miracles. Parfait. En parlant de légumes, justement, c'est le temps aussi de commencer là, à regarder nos légumes, où est-ce qu'ils sont rendus au niveau de la culture. Ouais, là, ils ont pris de la vigueur. Ça a pris beaucoup d'ampleur. C'est le temps de tuteurer. Tuteurer, pas lâcher l'engrais. Oui, il faut mettre des tuteurs. C'est sûr que quand on regarde nos plantes de tomates, là, c'est ainsi, commence vraiment là, à être débordé de fruits. Alors, il faut vraiment rajouter un tuteur. Là. J'ai apporté un tuteur. Ici, on a un beau petit jardin que tu nous as préparé. Là. Tous des petits jardins mélangés. Tu insères des tomates avec des fines herbes. Ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Là, quand on jardine sur le balcon, on peut... utiliser, là, vraiment mixer nos plantes, nos plantes tomates, nos légumes avec nos fines herbes pour vraiment basilic avoir et un tomates, petit jardin. C'est champion. Exactement, pour faire des bons petits bocconcini, là. Alors ça, on a un tuteur, là, j'aurais dû l'insérer. Juste simplement, là, attacher nos plants qui sont rendus vraiment vigoureux pour justement maintenir le fruit sur le tuteur. Parfait. Aussi, quand on parle d'engrais, il y a aussi beaucoup les granulaires qu'on peut utiliser, oui, c'est là, qu'on très qu'on simple. Répète. Juste, ouais, on met une deuxième, c'est le temps, là, on peut pas parler de date fin juin, début juillet, là, faire une deuxième application. On est bon encore pour un gros mois. Souvent, ce qu'on me demande aussi, est-ce que c'est bon de rajouter un compost à cet instant de l'année dans nos légumes et nos fines herbes, où vraiment le système racinaire est déjà formé? Si qu'on y en a eu au début de la faire. Saison, on n'a pas besoin d'en rajouter. C'est plus au niveau de l'engrais, oui. Là, à cet instant-ci, oui. Qui va être important. Parfait. Puis au niveau des fines herbes, je sais qu'il y en a maintenant plusieurs sur le marché. Là. C'est quoi vraiment les plus populaires qui sont utilisés? Là? On parle de... Basilic. L'éternel basilic. Mais la basilic, fun, il y a beaucoup de variétés de basilic. Ça, il y a plusieurs variétés maintenant. Il y a des panachés, il y a des pourpres. Souvent, on voit aussi, là, on voit des choses à se marquer africaines, asiatiques, vietnamiennes. Ouais, thaï.
C'est vraiment des variétés citron. Qu'on a adaptées. Ouais. Est-ce que c'est des variétés qui sont cultivées dans ces pays-là qu'on importe ou c'est vraiment là, élaboré ici? Non, ça a été importé. C'était importé les premières, puis ensuite, on fait la culture au Québec. Parce que moi, je me rappelle, quand on était plus jeune, on n'avait que quelques-unes fines herbes. Maintenant, on est rendu à 200-300 variétés de fines herbes. Il faut être spécialiste comme toi pour s'y trouver des fois. Là. Je m'en viens pas mal bonne, honnêtement. Aussi, on a des fleurs comestibles qu'on peut utiliser. Il y en a aussi, plusieurs. Tu peux nous en nommer quelques-unes qu'on peut... Oui, il y a les mérocales, il y a la pensée. Les mérocales, c'est ça. C'est le bégonia. La vivace, on ne pense pas qu'on peut la manger, mais effectivement. Le bégonia, c'est comme un peu un goût de surette. Il y a le fuchsia aussi qui est délicieux. Et même le fruit, on peut faire des confitures avec le fruit du fuchsia. Très bon. Ah oui. C'est intéressant. Puis la fameuse capucine. La capucine qui est vraiment... Goût poivré, très bon. Et la pensée aussi. Ouais. La capucine, ça donne un aspect aussi bien décoratif dans nos assiettes. Ouais. C'est pas sûr qu'on va les manger, mais souvent, il y a l'orchidée aussi, je crois, que des fois qu'on voit dans des assiettes. Oui, si c'est pas comestible, c'est comme décoration. C'est plus comme décoration. Ouais. Avec la capucine, ce qui est le fun aussi, le bouton de la fleur, on peut le mariner. Ça fait comme des câpres, c'est délicieux. Ah oui? C'est une câpre, mais plus poivrée encore. Très, très bon. De la marine. Il n'y a pas confondre avec une bonne huile, avec un vinaigre de vin. Très bon vinaigre de vin, quelques grains de poivre. C'est vraiment bon. Ah, bien, super. Et à cet ainsi de l'année, là, on est rendu en milieu de saison. Y a-t-il d'autres choses qu'on doit apporter là, vraiment dans notre jardin là, pour favoriser la récolte? Non, se battre avec la mauvaise herbe. C'est pas mal désherber, mettre des tuteurs, la bonne engrais, s'assurer qu'on a toujours eu un bon terreau, de rajouter un peu de terreau. Faire des semis successifs aussi, là, comme pour la coriandre, les petites fèves. Je trouvais ça intéressant, ce que tu me disais tantôt aussi, hors d'onde, qu'on avait des fines herbes qu'on utilisait pour faire les semis. Tu peux-tu me présenter? Je pense qu'il y en avait deux j'avais mis. Ils ont déménagé. C'est la roquette et la coriandre. C'est important de répéter les semis parce que c'est des plantes qui montent vite en graines, surtout qu'il y a des chaleurs. Ça monte en graines. On somme dans le même pot à côté, puis ils vont se... Oui. Puis c'est pas long. En 10 jours, on a des belles petites pousses, là. C'est vraiment pas long. La roquette, même si elle monte en fleurs, découragez-vous pas. Goûtez aux fleurs, ça vaut vraiment la peine. Ça a un beau goût de noisette. C'est vraiment très bon. Ah oui, mais quand ça monte en fleurs, ça fait pas que la fine herbe est plus amère? Elle est plus amère, mais la fleur est délicieuse. Ah, OK, d'accord. C'est pour ça qu'il faut répéter les semis. OK. Toute la saison, même dans là, les deux, semis, trois on peut faire la même chose même dans, avec notre persil, avec bien des variétés qu'on peut semer à côté là, pour vraiment, quand on prend trop, là, de, on coupe trop, on fait trop de cuisine, là, on peut se permettre de mettre une petite semence pour vraiment régénérer notre plant. Mais le basilic, si on taille, si on le cueille assez souvent, il se dédouble, ça devient de plus en plus des gros plants. Ouais. Et c'est ça qui est le fun. Oui, exact. Il y a des fines herbes également qu'il faut mettre... à part. On a des fines herbes qu'on doit placer à part dans des pots à part. On a tellement d'informations dans les fines herbes. La menthe. La menthe, très envahissante. Très, très envahissante. L'idéal, c'est en contenant. En contenant, c'est ça, pour justement pour prendre toute la place de nos boîtes à fleurs. Oui. Si on la met dans un arrangement, elle va tout envahir. Bien, merci beaucoup, Marie, pour tous ces conseils. Ça fait plaisir. Et si on veut te rencontrer, on peut venir directement au Cerf Sylvain Clairoux et tu vas te faire un plaisir de donner de bons conseils. Et de cuisine aussi, de marinade et tout. Là. Merci beaucoup. Merci. J'espère que vous avez aimé notre émission. Si vous avez besoin d'informations, vous pouvez visiter notre site Internet, lescerfsylvainclairoux.com ou le site de l'émission tvrl.ca. Merci. À la semaine prochaine.